écoutez, au niveau de la Yukurumuzo, même physiquement, écoutez là, c'est chose, c'est au rayon, c'est devenu au rayon, mais en sorcellerie là, c'est chose, écouteur. Donc tout ce que les gens parlent là, ça rentre, et puis eux entendent là-bas. Quand c'est comme ça, maintenant un jour, la vieille qui est là, celle qui s'appelle Bokune là, moi, ma grand-mère m'a pris, elle dit que non, on va pas te chercher. D'après, elle dit j'ai fui, et puis je suis partie, je tue la vieille là. Quand je suis partie là-bas, j'ai vu la vieille, elle était pile sur tout, et puis elle m'a donné, elle m'a mangé. Maintenant qu'elle a fini de manger, maintenant mon pote est devenu court. D'après elle, ça la somme, elle n'a rien dit. Enfin, elle savait ce qu'elle faisait, elle est la vieille. Maintenant, elle m'a prise et puis elle m'a envoyée à la maison. Maintenant, la nuit encore, mon papa a volé jusqu'à l'âge de 3 ans. Mon père est venu me chercher. Maintenant, quand mon papa a su que la vieille, elle n'était pas simple, elle est son mari. Depuis Abidjan, la vieille, elle tirait le sexe de mon papa. Elle fait calabre avec mon papa, même des fois même là. Elle met des dégâts entre ma maman et mon papa. Et puis les deux font pas là. Jusqu'à mon papa chasse ma maman. C'est comme cela que moi je suis venue au village ici. Jusqu'à là, j'ai 3 ans, mon papa est venu me chercher. Et puis nous sommes partis à Abidjan. C'est à Abidjan maintenant, moi j'étais eux, et puis eux venaient en sorte. Personne n'est innocent ici. Maintenant, eux tous qui viennent et puis ils m'envoient et tuent mon papa. Maintenant, moi je refuse. Quand je refuse, maintenant ils me disent bon, mais c'est comme ça, faut nous donner le pied de ton papa. Et c'est dit bon d'abord. Comme vous avez placé écouteur dans mon oreille, donc maintenant physiquement c'est au rayon, donc ça va me faire mal. Et puis c'est pas ça, maintenant l'argent de mon papa va passer. Puis nous allons enlever ça dans le temps de la sorcellerie. Donc maintenant, ils ont dit d'accord. Donc comme ça, maintenant, au rayon là, comme ça me fait mal. Et puis maintenant, mon père m'envoie au chute de 13 juillet. C'est comme ça qu'il a dépensé près d'un million sur mon oreille. Et au reste, seulement, il a dépensé près d'un million. L'argent qu'il dépense là, je prends, j'envoie ça dans le monde à la sorcellerie. Jusqu'à ce qu'il se marie même là, je refuse. Parce que eux, ils m'empêchent, ils me disent d'empêcher mon père de se marier. Donc quand je me marie, moi, je tue ses femmes. Je tue même ses enfants. C'est là qu'elle fait ses enfants. Je les tue, elle tout. Jusqu'à. Maintenant, un jour, j'étais au WC. Ça, c'était à partir de 18h. Je suis rentrée au WC. Et puis maintenant, ça, c'est où j'ai commencé maintenant à me changer moi-même. Où moi-même, j'ai commencé à sortir de mon corps. Où j'ai commencé même à me transformer en python, les dragons. Quoi que ce soit. Donc maintenant, j'étais de 18h jusqu'à 2h du matin. J'étais dans le WC. Mon corps me cherchait. Jusqu'à ce qu'il a commencé à pleurer. Jusqu'à ce qu'il est parti partout pour me chercher. Maintenant, à 2h du matin, maintenant, je suis venu, j'ai frappé à la porte. Et puis, il m'a demandé, mais tu as quitté où? J'ai dit non, qu'il était au WC. Et puis, maintenant, il a laissé ça comme ça. J'ai tué son cœur, j'ai entouché son cœur pour qu'il puisse oublier ça. Et puis, maintenant, mon papa, il a laissé. Maintenant, il y a une femme dans notre groupe qui s'appelle Annick. Elle a des visions. Donc, c'est elle qui a su que moi, je me transformais. C'est elle qui a su que moi, j'étais sorcier. Et puis, un jour, maintenant, je me suis arrêtée devant elle et puis je lui ai dit, ah maman, regarde ce qui se passe dans ma vie. Mais mes grands-parents, eux ne veulent pas que moi, la vie de mon papa, aide de la vie. Quand ils ont dit de le tuer, et j'ai refusé. Et puis j'ai pris le pied de mon papa et puis je l'ai donné. Donc c'est comme ça maintenant, la femme-là, elle a dit à mon papa, et puis mon papa m'a prise, et puis m'a envoyé dans un camp de prière. Dans le camp de prière où j'étais encore, pour le dispatch, c'est un prophète, toi, c'est un pasteur, il s'appelle Apôtre Kassa. C'est Apôtre Kassa qui s'est chargé de ma délivrance. Même encore, ils ont refusé que moi j'ai la délivrance. Pourquoi? Parce que mon grand-mère est dans le monde de la sorcellerie. C'est comme ça. Et puis maintenant, quand je suis dans le camp de prière, ils viennent en esprit et puis ils mélangent ma tête. Puis je sors du camp de prière et puis maintenant je m'en vais peine. Je m'en vais peine la sorcellerie. C'est-à-dire que je pratique la sorcellerie. Jusqu'à maintenant, je suis moi-même, j'ai décidé maintenant de partir devant la sirène des eaux, de partir à Bassam. En esprit, je suis partie, j'ai invoqué l'esprit de la sirène des eaux. Et puis maintenant, tous les pouvoirs de la sorcellerie, tous les pouvoirs même que le village des îles, les sorciers des îles avaient besoin, tout ça là, j'ai invoqué. Et puis elle m'a dit de donner du sang humain, eux tous. Je les ai informés que la sirène dit qu'elle a besoin de sang. Maintenant, moi, pour moi, elle est
les infirmières et les sages-femmes d'Abidjan. Nous tous aussi, on s'entendait parce que nous sommes des complices, même les policiers, nous sommes tous des complices. Et puis maintenant, eux aussi, ils cherchent ici au village, ils cherchent du sang, c'est comme ça qu'ils ont commencé à tuer les gens ici. Et puis maintenant, parce que j'ai tué là, et puis nous tous sommes rassemblés, et puis on a donné le sang et puis maintenant à la sirène des eaux. C'est comme ça qu'elle nous a tous donné le pouvoir maintenant. C'est pour cela que le village des Sérieux a devenu dangereux. C'est comme ça. Et puis maintenant, encore maintenant, quand je suis sorti maintenant du camp du prière, c'est là maintenant mon père m'a prise, et puis il m'a dit, bon, c'est tout ça comme ça là. Bon, c'est drôle. Va au village, là où tu enlèves la sorcellerie, pour partir, bon, ils vont enlever la sorcellerie sur toi. Parce que c'est grâce à toi, dès que tu es né, moi j'ai eu mon travail. Donc c'est grâce à toi que moi je vis actuellement. Donc il faudrait qu'on enlève la sorcellerie sur toi. Pour que moi, ma vie puisse aller de l'amour, pour que moi je puisse me marier. Et puis l'argent va être dans ma famille. C'est comme cela que mon papa m'a prise et puis m'a envoyé ici au village. Le vieux là, il savait pourquoi mon papa m'a envoyé au village ici. Et puis pénètre, et puis disait que non, mon papa c'est chien, c'est comme ça il est. Que lui il est trop, il est terrible, il s'est sorti ici. Que non, mon père il est méchant, c'est pour cela que moi il m'envoie au village ici. Que moi je n'ai pas de papa, que c'est lui qui est mon papa. Que moi je suis là et puis maintenant je n'ai pas de jugement. Tout ça là, ainsi de suite, il commence à insulter mon papa. Mon père, nous les sorciers, nous on ne se dévoile pas trop comme ça là. Je n'ai pas parlé, j'ai laissé. Et puis maintenant, juste là, et puis lui, d'après lui, il a décidé de m'envoyer à l'école. Entre l'école là, ce n'est pas une école où l'homme doit réussir. Voilà. Ce n'est pas une école où l'homme doit réussir. Actuellement, là où c'est placé, ce n'est pas l'école qui est là. L'école est placée sous l'âme de ton Benjamin.